Salut, c'est Floriane de l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va voir comment faire une étoile de Noël en origami. Donc pour ça, il vous faudra plusieurs feuilles de papier découpées en carrés. Et chaque feuille correspondra à une branche de l'étoile. Pour commencer, on va d'abord plier la feuille en deux. Ça va nous faire un petit repère. Et maintenant, on va rabattre les côtés le long du repère. Donc, on fait ça des deux côtés et à la fin, ça doit ressembler à un espèce de diamant. Donc maintenant, on va venir plier bord à bord la partie supérieure droite. On déplie et on refait la même chose de l'autre côté. Donc jusqu'à maintenant ça va, mais là on va passer à une partie un peu plus compliquée à comprendre. Donc il faut replier la partie de gauche et inverser le sens du pliage de la partie de droite. Donc ça doit vous donner un truc comme ça. Si vous n'avez pas bien compris le mouvement, je vous remontre ça. Donc je viens d'abord soulever la partie de droite, je replie et hop, ça se fait tout seul en fait. Voilà, maintenant on va ressortir le volet de gauche. Et on a notre premier module de prêt. Répétez toutes ces étapes autant de fois qu'il vous faut de branches pour votre étoile. Et maintenant on peut passer à l'assemblage. Donc pour bien fixer tous les modules ensemble, j'ai préféré utiliser du scotch double face que je viens poser sur le triangle supérieur de notre module. Ensuite, je soulève le volet de droite, j'insère le deuxième module à l'intérieur et je rabats entre les deux feuilles le petit triangle où on a collé notre double face. Et voilà, on a déjà deux modules d'assemblée. Maintenant, on répète exactement les mêmes étapes pour les autres modules. Si vous n'en faites que 4, votre étoile sera toute plate. Et si vous rajoutez une cinquième branche, dans ce cas, elle aura un petit peu de volume. C'est toujours la même procédure pour les assembler ensemble. C'est un petit peu plus difficile, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça devient plus simple. Et voilà notre étoile finalisée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain avec la révélation de notre sapin scandinave. J'espère que vous serez au rendez-vous parce qu'on a une petite surprise pour vous. Bye.